J'ai l'impression d'être un oiseau quand je danse. Moi aussi. C'est ceux qui ont le plus de chance. Ils peuvent aller partout où ils veulent. I've been accepted to university overseas to study literature, to escape, but... You can't go. What? I can't afford it. You just need to find work. Adeline, I might lose my job. The dog's medical bills. I don't want to. I'm sorry, that's just reality. Not mine. Yes, it is. It's mine too. It's not mine. Take it back. Adeline. Adeline, look at me. And look at me. No, I'm not you. I can't end up like you. Putain, t'es Jean-Baptiste. Non, mais ça va, c'est marrant. T'es un peu bizarre en ce moment, non? Non, c'est pas marrant. En fait, t'es comme toutes ces petites connes du lycée, hein. Il suffit qu'un nouveau type se pointe et tu penses plus qu'à te le taper. C'est tellement hypocrite. Pardon? Tes leçons d'intégrité, là. C'est pas du tout ça ton vrai problème. Ah ouais, c'est quoi mon vrai problème? C'est que toi, tu veux te faire baiser, en fait. Vraiment, tu me sors l'argument de la mal baiser, là, hein. Pas du tout, non. Je dis juste que toi, tu veux la ken, elle. Mais malheureusement, tu peux pas trop lutter, tu vois. Connard. Sur le tronçon de voiture, il y avait un frein à main. Ouais, ben là, il y en a pas. T'as la peine de me parler comme ça non plus? Pardon, excuse-moi, mon petit chat. Excuse-moi, mon petit chat. Miaou. T'as qu'à couper le contact. C'est bloqué, tout est bloqué. La voiture est devenue folle. Voiture neuve, merde. C'est pas une voiture, c'est un corbillard roulant. Ah non, un corbillard, c'est toujours roulant, ma petite chérie. C'est un pléonasme. Pardon, papa, un cercueil roulant. Sors de chez moi ou je crie. Pour hier, j'ai déconné. Génial, j'en ai rien à foutre. Arrête, je suis venue m'excuser. Mais pourquoi ça m'intéresserait? Tu débarques comme le roi du monde avec ta puissance virile, là. Mais tu crois que tu peux traiter les autres comme de la merde? Mais pas du tout. Et t'es plus fort que moi, super. Vas-y, être un mec te donne tous les droits. I'm made for something greater. Maybe I'm a warrior or a sorceress. Maybe I'll sail treacherous seas. But my story hasn't started yet. While I wait, I go to school, consider university, a job. Mum had told me that the fairies hide in the flowers, and when they're ready to show themselves, I'll hear them calling me.